Oui, papa m'est arrivé au mall. Oui, papa m'est arrivé la fois dimanche. Oui, papa m'est allé dans la caserne de Saline et c'est là, oui. C'est pas une opinion. C'est à partir de recherches et informations de très bonnes sources. Le mot papa, son bail qu'on a, l'homme vient assez grand qu'on a, l'homme vient parti, on m'a appelé, m'a fait des recherches, on parle avec un série de monde, on rencontre des monde, il y a monde en pile historien, écrivain, journaliste qui fait recherche par eux. Ouais, on devient très intéressé qu'on est même ça qui veut papa. Donc, avant d'aller me dégainer, même l'homme dans Haïti, ouais, il y a des monde qui t'a parlé, ouais, au Mall Saint-Nicolas, des bails comme ça, il y a des monde qui te connaît, il y a grand monde qui qu'on a raconté histoire, le papa me déentré, des bails comme ça. Donc, moi, je fais des voyages, moi, je lis une série de livres, moi, quand on essaye de monde, parler avec des monde. Et puis, même l'homme vient aux États-Unis, par exemple, il y a un personnage central qui est l'homme au papa, son aiguille et son lieutenant Guillaume. J'ai toujours dit, je vais chercher, mais je viens faire me connaître son aiguille de New York. Donc, je descends de New York chaque week-end, je cherche monsieur. Et puis finalement, quand on me dit dans l'église, ouais, monsieur dit, on joue la marché avec un journal. Son journal, un journal qui est avec une photo, papa me joue. Et puis, comme son petit monde dans l'église, là, il dit, monsieur, vous connaissez ça? Monsieur dit, oui, c'est un plus gros écrivain haïtien. Et son nègre m'admire en pile. Monsieur dit, oui, oui. Je dis, mais ok, où est ma parole de monsieur? Et puis ça a passé. Donc, on a monsieur dit, chef, tu manges bien bonheur, les besoins de l'église. Il dit, je suis un nègre qui va me faire de papa. Il y a une délégation ensemble, monsieur, je connais, qui est toujours New York, même chercher une équipe de football pour mal jouer New York le week-end, pour qu'il paye un billet d'avion, pour pas besoin pour un marché, pour prendre un boss. Donc, c'est comme ça, je toujours venu chercher Guy. Et puis, mon cher, monsieur dit, moi ça, descends. Donc, il y a une loi dans l'église là, mais nous allons faire un plan. Ok? Monsieur, pas supposé qu'on ait que ses familles, ou bien petites, Alexis Coré, donc fort, ou contrôler au tempéré, ou pas le mauvais, pour penser que c'est monsieur qui est détruit par rapport, pour faire une réaction, parce que c'est information que nous avons besoin. Vous comprenez? Si lui dit, monsieur, comme ça, monsieur, on est mon vieux, on bagaille, sur les côtés, dis-moi que vous connaissez ça. Bon, donc, où sont l'homme dans l'église là? Pas même de monsieur. Monsieur dit, mon cher, next hour, c'est moi-même qui ai dévoué à le prendre monsieur au Mall Saint-Nicolas. Bon, donc, on dit que l'on bat au garde-côte. On dit avec un autre militaire qui est liberté au mieux. Et puis, nous pas monsieur, nous entrons à Haïti, monsieur, nous entrons à Port-au-Prince, nous délivrons monsieur. Je dis, fais-nous à le porter monsieur la fois dimanche. Et puis, après 4 ou 5 jours, là, nous venons poser question avec l'autre militaire qui me déconnait. Il me dit, ça qui passe avec les députés l'autre jour. Je dis, ah, monsieur, je vais vous monsieur. C'est parti ça que monsieur dit lui-même. Moi-même, l'homme vient ouais version Bernard Dietrich. Que je devine rencontrer après la suite. Je suis signé un livre pour moi, je dis bon, à l'époque, je dis Guy, je devine entrer à Miami. Ouais. Donc, je dis même, il parle à Guy, il interviewe Guy, derrière un pote, Guy, il va te quitter, monsieur, entrer. Guy, répond lui derrière un pote, il parle, il pose une question, il ne veut pas vouloir la figure. Et puis après ça, il fait un beau parler, il va me donner des informations. Et puis il dit, monsieur, comme ça, il y a un rendez-vous, on est pour monsieur retourner pour faire une interview formelle. Le retourné, il y a un qui est sauvé. Donc c'est qu'on continue à chercher monsieur, parce que monsieur vient nous dire, il n'y a pas besoin de parler, conseiller de bagage. Et puis malheureusement, là nous-mêmes, nous venons connaître, nous avons essayé à l'autre monsieur Gounia. Bon, moi, j'ai décidé de ne pas monsieur. À deux, Gounia m'a d'abord dit, monsieur, malgré avant, il est dans l'armée, mais. Papa mouri m'da aimé kon sakripe papa m. C'était plein probablement de monsieur, men tout men. Mon cher, le samedi d'avant que monsieur mouri. Entre temps, m'y notre Miami, m'y rencontre avec un militaire, de le Serge Lichal. Serge Lichal, c'était consul d'Haïti, c'est un colonel, monsieur dans l'armée d'Haïti. Et à l'époque, papa m, en 61, monsieur censé être affecté à garde-côte.
bateau et soit dit c'est censé te voyer venir chercher papa là c'est monsieur qui était commandant de bateau ça. Moi rencontré monsieur personnellement car au monde monsieur de l'en fait et puis qu'on équipe avec monsieur. Il dit monsieur mon cher Sego. Ça va éviter de Jackson Fenn Alexis. Bon on te dit c'est où t'es dans bateau qui menait bateau garde côte qui te prend monsieur. Faut tu parler monsieur moi. J'allais nous en acheter au côté à part. Comprends? Monsieur dit bon que effectivement il devait venir chercher papa. Comprends? Parce que papa pas exactement tombé au mol. C'est comme si dans c'est dans page, c'est entre au mol et au côté les chansons, bombard de police ou bien Jean Rabel. Mais faut me dire que toute zone là, c'est sous-district, c'est Jean Rabel qui était district. Donc c'est pour ça là on sait de documents que j'ai qui signé par Guillaume. C'est Guillaume qui a parlé. Il dit je certifie avoir reçu du commandant sous-district de Jean Rabel une valeur de $13,000 en billets de 20 et de 10 et de $100 et les effets personnels des prévenus, un pistolet Colt calibre 38 et 3 chargeurs, 4 montres, une caméra, une jumelle de campagne, une pince, 2 flashlights, un par-dessus, 2 porte-oiseurs, une pioche et les papiers importants, documents et un portefeuille contenant 65 gourdes. Faut me dire que bien avant, pas mal New York, mais non, il y a tout ce monde. Je me suis dit que je faisais des recherches pour l'homme en Haïti, juste avant que je quitte Haïti. Parce que je me suis rencontré des gens qui sont au mall. Et il y a un grand monde qui dit que, ah, il y a un grand monde au mall qui était là, qui était contre Baïsa, qui a toujours raconté l'histoire de Haïti, les gens qui étaient fait dans Alexis. Vous comprenez? Donc, les gros amis qui de la famille Nemoé, on voit que Simba a-t-il un documentaire et que Anon a tourné des faits sur Papa Mlan. On voit que M. Nemoé a parlé dans le documentaire là-tout. Donc, on est allé au mall, on est allé avec le conseiller de Grand Moun, Chita, on pour raconter l'histoire. Donc, en pile, il a même dit que, bon, Papa Mlan, il a des points, il y a le protoprès avec elle, mais l'autre monsieur, de Dupinouye, Max Monroe et Guy Béliard, et puis j'ai toujours oublié le quatrième là. Donc ça, eux-mêmes, ils ont entré la ville au mall avec eux, machin avec eux, puis eux-mêmes disent qu'ils ont des galons et des roches comme si c'était des gens qui ont été lapidés. Vous comprenez? Donc, tu as fait de ton petit recherche, mais comme si Mdadou, exactement, tout scénario a fini complet pour moi. Il ouais. Y a un nom qui vient renforcer et l'opinion de la communauté, hein, c'est que, un peu le monde pas fait rapproche là, mais grand-père Stéphane Alexis, il y a deux petites. Il y a Jacques Stéphane Alexis et puis il y a Alta Alexis. Alta Alexis, c'est petite fille Stéphane, ce papa, qui vient marier avec un préfet, l'ancien Marc, que de relais Félix Douillon. Félix Douillon, c'est ton préfet sous Duvalier. Vous comprenez? Donc, ça a causé des petits problèmes internes entre Alta avec Papal, qui c'est Stéphane, qui va te venir tourner, mais là, et ça. Et puis, bon, par la suite, Marie vient mourir, il a empoisonné M. Kaban Choukoun, Félix Douillon. Donc, il vient veuve. Mais Alta, c'est un petit garçon. Petit garçon, ça a relé Auguste Douillon. Auguste Douillon. C'est neveu Jacques Stéphane Alexis. Pour les gens qui ne connaissent pas Auguste Douillon, Auguste Douillon c'était Tipouche Douillon qui était secrétaire privé Jean-Claude Duvalier. Donc Tipouche Douillon était accès à la palais, il était accès à la casette de Salines. Il conseillait des documents que l'on avait, il y a des gens qui l'ont parlé avec, puisque maman voulait connaître qui s'est arrivé, frère. Donc l'Alta Alexis a posé une série de questions. Petite li, bien que il ne voulait pas mettre des informations publiques. Pour tout le monde qu'on est, mais le confirmé moment, nous serons de bagaille. Vous comprenez? Et que ma tante m'a partagé avec moi. Ouais. Donc, il y a des gens qui confirment que oui, il était passé fort dimanche, oui, il est arrivé à la caserne de Saline. Qu'on est un conseiller de détails, ça crive dans la caserne de Saline. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un coup de grâce, qui ont tiré le lieu, qui n'ont pas dit ça. Mais, suite là, nous suivons le chemin hein, qui mène nous de Mol. Jusqu'à Kazen. Vous comprenez? Donc, je suis sûr et certain que papa, il est venu à Cuba, il est venu au Mol. Je suis sûr et certain que l'arrivée est fort dimanche. Et
à partir de information que Altar lui-même était recevoir par rapport à petit technique de l'ancien gouvernement. Donc nous venons confirmer que monsieur arrivé dans la caserne de Saline et c'est là le mourir. Rappel le monde que les amis, nous toujours pas vraiment connu que c'est petit diac c'est fait dans l'eximé parce que c'est un sujet que nous pas d'argent abordé et puis c'est assez pénible quand maman me dit qu'on relé nous que nous pestiférer. Ça me dit me changer maman me raconter que je suis malade l'homme des timoun. Moi bien il besoin venir me voir docteur, il besoin prendre taxi, taxi pas capable pour lui, il besoin prendre camionnette, camionnette pas capable pour lui. C'est pour ça qu'on est quitté à l'époque bon, on croit que monsieur s'il pas ma coûte monsieur des bon, monsieur tape car gouvernement. Et puis c'est seul monsieur qui était qui va nous libre lui mener car docteur lui auto. Donc on me dit du bon grand respect pour monsieur malgré que bon parce que il était comme maman, faut me dire que j'étais travaillé la contribution ensemble. Donc il était comme maman. Donc là le maman là il a petit bébé à l'amel. Malgré mon jambe là, il est bien marché d'un côté. Jambe là, oui mon pas voulu pas regarder maman manger. Bon quand maman nous nous étions des pestiférés. Bon, et quand je dis que 17 mois, papa mourir, ça veut dire que je ne vais pas vraiment passer aucun temps avec papa, que je ne vais pas apprendre de lui. C'est une chose que je regrette le plus. Parce que j'ai entendu de tout le monde, je ne vais pas avoir des je ne vais pas avoir son tellement. Moi-même, je dis si papa apprend le monde, il ne va pas comprendre ni, ça veut dire que je ne vais comprendre ni. Encore tellement son équité qui est là d'expliquer. Je me suis toujours trouvé que c'est tout ça que je trouve le gouvernement de faire moi-même. Je privais de papa, ça veut dire que j'ai perdu une opportunité pour apprendre une série de bagages, pour comprendre mon nom beaucoup mieux à travers ses yeux, à travers ses. Excusez-moi. Ouais. Donc, je trouvais que je suis victime sur ce plan-là. Et c'est pourquoi je me suis dit avant que maman m'a dit le mal à l'école. Si je voulais apprendre, mettre apprendre, si je voulais jouer, mettre jouer, parce que je connais que l'homme vient là quand même, c'est le sa éducation vraie à la balle faite. Parce que je connais que le conseil du monde, quand vous avez René Bélos, quand vous avez Raymond Chassagne, quand pile et même artiste, quand vous avez Rosemary de Rousseau, tout le conseil du monde, vous avez vu la carrière là, vous avez passé des heures à faire le lit, à faire l'analyse, ouais. Vous comprenez? Même, c'est comme ça que je viens de faire. C'est par rapport à Ousmane de Rousseau. Ousmane de Rousseau est venu dans la carrière. Donc, il a fait éducation artistiquement, par les des arts. On a montré une peine, qui est même, montré une couleur. On a travaillé avec des gens comme Francis Murat. Ouais, qui était des amis maman, qui était toujours venu dans la carrière. Mais même centre d'or. Vous comprenez? En pile dans mon salaire, il est passé dans pile temps avec parce que je connais que, et je t'ai doué papa. Ça, c'est ça que je veux dire. Je t'ai doué papa pour y aller, make sure. Vous comprenez que ce travail qu'on connaît que l'on a fait, s'il est là, yo même yo essayé de faire le poulet. Ouais. Donc, c'est ça, l'homme vient de lire. On y a un, m'a vient de lire, on sait de livres, on sait de bagages, on passe de. Vient de l'autre vision sur le monde. L'homme comprend que papa me dévelé pour un jeune haïtien qui a vécu dans le pays, tu mérité mieux que ça, yo t'a balé. Donc, en pile, l'idée. Idéologie papa, mais on comprend mieux beaucoup plus. Et c'est pourquoi, à l'époque, dans les années 50, tout grand penseur, tout grand philosophe, tout le monde avait écrit, il y avait des tendances socialistes, communistes. Donc, je suis sûr que si papa me dévive aujourd'hui, peut-être plus quatre papa ou communiste dans la définition qu'il était hier, mais je suis sûr qu'il a un socialisme adapté à Haïti, qui fait que la jeunesse, les ouvriers, les paysans, t'as bien ou société dans la vie participer à part pleine. Vous comprenez que c'est des membres qui aussi important qu'on l'autre, qu'on médecin, qu'on ingénieur, qu'on agronome, qu'on politicien. Ils t'as bien rôle par eux et son société a fonctionné, qui t'a traité comme des égaux et qui t'a bien même opportunité avec petit un ingénieur, petit un président. Donc nous t'as bon société qui basé sur des structures qui permettent tout le monde vivre en paix avec une structure qui aide tout le monde.